Unis pour la paix et la stabilité, solidaires pour l'avenir, les populations de Dori dans la région du Sahel manifestent leur soutien aux autorités de la transition et aux forces combattantes. Hier, 27 mai, ils étaient nombreux, les manifestants, dans les rues de la ville et à faire entendre leur voix et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion nationale. Le témoignage de Pini Diagne. Dori, ce matin, personne ne veut se faire conter l'histoire de ce grand rendez-vous. La mobilisation générale pour soutenir les forces de défense et de sécurité, les VPP, et surtout montrer leur affection au président capitaine Ibrahim Traoré. Du rond-point Arba Diallo en passant par le rond-point du Bœuf, la population a battu le pavé pour l'exprimer aux yeux du monde. Nous avons tenu à rendre un vibrant hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui, jour et nuit, en tout cas, ne ménagent aucun effort pour en tout cas la sécurisation de notre territoire ainsi que pour un avenir radieux pour le Burkina Faso et la paix dans notre pays. Actuellement, nous avons senti que la situation, ça va un peu. On ne peut pas dire que ça va, mais ça va un peu. Donc les gens, en tout cas, ont sacrifié un peu de leur temps pour venir montrer, en tout cas, toute leur affection autour de nos FDS et de nos VDP. Ce rendez-vous est mis aussi à profit par la population de Dori pour soumettre leur doléance au capitaine Ibrahim Traoré. Sans savoir qu'à Dori, pour avoir de l'eau, c'est vraiment un problème. L'ONEA a plusieurs reprises eu des pannes techniques, demandé au président de nous aider, franchement, à libérer la RN3 et à la sécuriser. Voilà. Nous avons également fait comme doléance l'équipement en matériel de nos FDS et de nos vaillants VDP. Au terme de cette mobilisation du jour, des actions sont en cours pour contribuer à l'effort de paix, notent les organisateurs.